Et salut tout le monde, c'est l'oncle Buck, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va parler de Mulan. Ou plus précisément, une décision qui fait polémique auprès des fans de Disney. Le choix de Jennifer Lawrence dans le rôle de Mulan dans un prochain film live de Disney sur l'héroïne chinoise. Oui, j'ai vu la vidéo de Wonder Hook et je sais qu'il a fait un sujet là-dessus, mais moi j'ai bien le droit de dire mon avis. Et puis je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a dit. Oui, je sais qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec le choix de Jennifer Lawrence dans le rôle de Mulan parce qu'ils n'aiment pas du tout cette actrice, mais non, non, non. En fait, la vraie raison, c'est qu'elle n'est pas asiatique. Je ne déconne pas. Certains qui disent que Jennifer Lawrence n'est pas fait pour être un rôle de Mulan juste parce qu'elle n'est pas asiatique. Sérieux, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les fans de cinéma, d'internet ou même les fans de Disney, alors que je croyais que ces derniers étaient beaucoup plus ouverts d'esprit, en sont encore avec cette vieille rengaine. Déjà, tous ceux qui font polémique à propos de ce choix d'acteur ont complètement tort. Pour deux raisons. Déjà, d'une, ce n'est qu'une suggestion. On n'a pas eu la confirmation. Ce n'est qu'une rumeur. Et surtout que bon, c'est la production qui a eu cette suggestion de prendre Jennifer Lawrence. Et deuxième raison, réfléchissez un peu pourquoi est-ce que ça serait bien de prendre Jennifer Lawrence comme actrice pour jouer Mulan. Après tout, Mulan est basée à propos d'une légende chinoise. Une légende! Et puis je suis sûr qu'il y en a d'entre vous qui ne savent pas vraiment qui est Mulan. Je pense qu'ils n'ont pas très bien regardé le film. Je suis une jeune femme qui est prête à risquer ma vie pour défendre ceux que j'aime. Je suis un peu garçon manqué. Je suis une combattante. Je manie les armes et les arts martiaux. Une guerrière. Et je suis devenue un idole pour tout le monde, au point de devenir un modèle. Et je suis même à rajouter que dans certains plans de certains films, Jennifer Lawrence a les yeux bridés quand même. Et puis, je le redis encore une fois, ce n'est qu'une suggestion. Le film n'a même pas encore de scénariste, de compositeur, d'un reste de casting, et encore moins d'un réalisateur. Tout ce qu'on a, c'est juste des producteurs. Dont la Walt Disney Pictures par exemple. Et pourtant vous vous plaignez encore comme si on venait d'annoncer que le petit Peter dans le nouveau Peter Elliot le Dragon allait ressembler à Tarzan ou à Mowgli quoi, et qu'il n'y aurait pas eu les deux crétins méchants, la plage et le phare, alors que vous avez vu que ça n'a détruit en rien le film. Mais bon, d'après ce que je vois, personne ne m'écoute. Personne n'apprend de ses erreurs. Personne ne veut évoluer. Mis à part peut-être 2-3 d'entre vous, une petite minorité, mais personne ne veut évoluer. Les gars, je crois qu'on arrête. Ah bon? T'es sûr? Tu veux pas un tout petit peu continuer? T'avais pourtant plein de sujets, quoi. Oui, c'est vrai, j'avais plein de sujets, mais les gens ne sont pas prêts encore. Ils ont encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Il y avait plein de films que je voulais leur parler, plein de sujets que je voulais aborder. Mais de nos jours, les gens demandent trop, même trop, ils exigent trop, alors qu'il faut juste des fois se contenter de peu. Ils n'ont pas vu que j'ai essayé juste de faire de la déconne avec mon top sur les pires héroïnes. Ils n'ont pas vu que je voulais juste les aider en les enrichissant culturellement. Ils n'ont pas vu tout ça. Bien sûr, il y en a qui ont vu, mais trop de gens ont encore besoin d'apprendre. Peut-être qu'un jour, les fans ouvriront les yeux. Non, je pense qu'il est temps qu'on parte. Je reprends mon voyage vers d'autres horizons. Bucktales, c'est terminé.